Il y a très longtemps, un extraterrestre nommé le Gardien confia le plus grand pouvoir de l'univers à des dinosaures. Vous devez mettre les énergèmes en sécurité. Des millions d'années plus tard, les énergèmes ont été retrouvées et le démoniaque Sledge ne recula devant rien pour les dérober. Jusqu'à ce que les Power Rangers réussissent enfin à le vaincre. Mais des cendres de la défaite de Sledge est née une nouvelle menace. Une seule équipe de héros sera capable de l'arrêter. Dino chargeur activé! Ce sont les Power Rangers Dino Supercharge. Vous travaillez là? Tout à fait, oui. Ce doit être mon nouveau mannequin d'entraînement. Enfin! Une signature, s'il vous plaît. Oui. Auriez-vous de l'encre? Vous n'avez qu'à utiliser votre doigt. Wow! Comment je fais cela? Et voilà! Quelque peu vieillot. Mais heureusement, mon épée n'est pas trop regardante. En garde! J'ai un nouveau plan. Je vais combiner deux monstres pour en créer un nouveau. La magie de Spellbinder va jeter un maléfice sur Lord Goldigger. Quiconque touchera cet or deviendra instantanément cupide. Je suis de retour, mais je suis un monstre hybride. Appelez-moi Spelldigger. En quoi les rendre cupides serait un plan génial? La cupidité n'a pas de limite. Dès que les Rangers seront touchés à mes pièces d'or, ils seront à couteau tiré entre eux. C'est parfait. Nous aurons peut-être besoin d'une arme à feu supplémentaire. C'est mon blaster. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai le choix? Non, parce que ce n'est pas toi qui décides, espèce de braise mouillée. Assure-toi que Spelldigger anéantisse les Power Rangers. Vous pouvez me faire confiance, Ekil. Et ce n'est pas le cas de tout le monde. Il t'a grillé. Moi, je suis digne de confiance, vous ne savez pas à quel point. C'est impossible. Je vous assure que je ne l'ai pas reçue, sinon je ne serais pas au téléphone. Yvan. Elle a énormément de valeur, s'il vous plaît, vérifiez encore. Comment ça, elle a déjà été livrée? C'est impossible. Vérifiez encore. Ton mannequin d'entraînement est arrivé. Merci, madame, mais je m'entraîne déjà avec mon mannequin. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit que j'utilisais déjà mon nouveau mannequin. Oh, non. Qui y a-t-il? Oh. Yvan? C'est ça, ton nouveau mannequin d'entraînement. Fantastique. Et quelle est donc cette vieillerie? Cette vieillerie, c'est un habit royal d'apparat. Il a été prêté au musée, il est plus vieux que toi. Il est peut-être plus vieux que moi, certes, mais il est beaucoup moins bien bâti. Yvan, tu ne comprends pas. Cette antiquité est d'une très, très, très grande valeur. Plus maintenant. Oh. Je dois appeler le propriétaire. On va avoir de gros problèmes. De l'or pour tout le monde! Venez vous servir de l'or gratuit! Tout est pour vous, le bon peuple d'Amber Beach! C'est un cadeau pour vous! 6 $ pour un burger? C'est de la folie! 2 $ pour une boisson? Oui, mais vous les avez commandés et consommés, non? Bonjour. Est-ce qu'il y a un problème? Oui, en effet. Je n'aime pas me séparer de mon argent. Ah, oh,
Vous pouvez pas payer avec ça. Bien sûr que si, c'est de l'or pur. Et qui nous le prouve? Le type au coin de la rue. Il le distribue comme des friandises. Vous n'aurez pas de pourboire. Le type au coin de la rue, il distribue de l'or. Je suis sérieuse, il faut que tu comprennes, Yvan. On a un énorme problème. Mademoiselle Morgan, vous m'avez signalé qu'il y aurait un léger problème avec mon habit d'apparat. J'en ai bien peur, Monsieur Smith. Oh non. Cet habit d'apparat a été porté par un empereur. Cette antiquité a plus de 1000 ans. Ah, d'accord. Ça explique la piètre qualité du tissu. Elle vaut 2 millions de dollars. En êtes-vous vraiment sûr? Sincèrement, monsieur, en tant que chevalier, je veux dire que ça ne vaudrait pas 2 sous sur un champ de bataille. Ça vaut une fortune, sombre imbécile. Vous me devez de l'argent et vous allez me rembourser. C'est entendu. Donnez-lui qu'on en finisse, mademoiselle. Tu ne te rends vraiment pas compte de la somme que ça représente, Yvan. Le musée n'a pas des millions de dollars qui traînent dans les fonds de tiroir. Si je ne récupère pas mes 2 millions rapidement, je ferai saisir ce musée. Et je le vendrai pièce par pièce. Mais vous ne pouvez pas... Alors, comment ça s'est passé? Pose pas la question. Au fait, vous n'auriez pas vu Chase et Tyler? Ils sont sûrement sortis, mais où? Oh, c'est pas vrai. Il faut que je trouve comment sauver le musée. Yvan, tu penses que tu pourrais retrouver Chase et Tyler? Vous ai-je déjà déçu, madame? D'accord, peut-être une fois. Je pars à la recherche. Approchez tous! Ne soyez pas timides! Prenez-en autant que vous voulez! C'est qu'il... Je reviens tout de suite avec encore plus d'or! Il faut qu'on découvre ce qu'il prépare. Viens! Fais comme si de rien n'était, les Rangers regardent. Il me faut plus de pièces! Des pièces? Plus de pièces, tu te souviens? Oui, bien sûr! Surtout... Je vais retourner à mon énorme trésor et je vais vous en rapporter encore plus! Yeah! Remplis ces besaces. Aucun problème. Je retourne tout de suite à mon énorme trésor. Contente-toi d'aller me chercher ces pièces. Bon à rien. Oui, maître. Je retourne à mon énorme trésor. C'est peut-être un piège. Oh, alors, je vais devenir riche. Au revoir, les Rangers. Je vous avais dit que ça marcherait. Rapporte-moi leurs énergèmes. Je vais faire en sorte qu'ils profitent de la richesse et leurs derniers instants. Sir Tyler! Cette pièce est à moi. Je la veux. C'est la mienne. Et celle-là aussi. Sir Tyler! Il y en a encore plus là-bas. Non, à moi. C'est à moi. Ouais, pas si vite. Nous nous retrouvons enfin, Ranger Doré. Je m'occuperai de tes 2 imbéciles d'amis. Plus tard, toi et moi, nous avons un vieux compte à régler. Tu vas finir en lambeaux comme mon mannequin d'entraînement. Dino chargeur activé. Libère le pouvoir. Des pièces d'or. Il est parti par là. Qu'est-ce qu'il y a, Minirexi? Regarde, je crois qu'il veut qu'on le suive. Et Chase, peut-être que c'est le trésor. Ce combat touche à sa fin, mes ennemis. Oui, ça est bientôt fini de toi. Qu'est-ce que c'est? Va-t'en, espèce de petite vermine rouge. Minirexi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Ah, tu apportes du renfort. Yvan, on est venu t'aider. Il est temps d'essayer l'épée blaster de Singe. Je m'en occupe. T-Rex, supercharge, morphine. Dino chargeur, activé. Activé. T-Rex, supercharge, activé. Bien essayé, Fury, mais c'est toi qui vas être sous le choc.
souffle T-Rex supercharge. Sois maudit, Ranger Rouge. Nous finirons ce combat plus tard. Ouais, t'as raison. Tu fais bien de t'enfuir, petit chaton peureux. Sir Tyler, quel magnifique fait d'armes. Ah, il a bien fait de battre en retraite, nous avons failli le vaincre. Ce sont les miennes. Regarde combien il y en a. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites à quatre pattes? On ramasse des pièces d'or. Ah! Vous voulez rembourser ma dette de 2 millions de dollars? Non. Un chevalier de Zandar n'utiliserait jamais l'or de ces monstres pour rembourser une dette. Mais je sais peut-être où trouver de l'or que je pourrais utiliser. Oui, je vous retrouve au musée. Et merci! Merci. Bienvenue à la banque d'Amber Beach. Que puis-je faire pour vous? Un lingot d'or, je vous prie. Excusez-moi? Je suis Sir Ivan de Zandar. L'un des chevaliers du roi. Oui, et moi je suis la reine d'Angleterre. Bon, que puis-je faire pour vous? Eh bien, il se trouve que j'ai laissé un lingot d'or à la banque il y a très longtemps et je viens le récupérer. Votre numéro de compte? Je n'en sais rien. Votre carte d'identité? Quelque chose où votre nom est inscrit? Ah, oui, bien sûr. Ah. Et voilà, mon nom est inscrit juste là. Je vous en prie, prenez ce que vous voulez. Donnez-moi seulement mon offre. Le corne de Triceratops, valeur estimée 3000 dollars. J'arrive pas à croire que le musée vende tous ces objets. On n'a pas le choix. Allez, on continue de compter. 6 fossiles de trilobites. Salut les gars. Vous êtes rentrés? Vous étiez où? Ah, on a rencontré un monstre de Ekil, on l'a poursuivi dans la forêt, bla bla bla, et on l'a perdu. Ouais. Qu'est-ce que vous avez dans les poches? Dans les poches? Ah, oh, juste des trucs que ce monstre a laissé tomber. C'est la mienne. Non, c'est la mienne. Elle est à moi. Elle est à moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle saute à moi! Laisse-les! Pourquoi vous vous comportez aussi bizarrement? Laissez-moi voir ça! Attendez! Ne les touchez pas. Le monstre les a laissés tomber, hein? Je parie qu'elles ne sont pas composées uniquement d'or. Ah, je me sens bien l'âme en peine. Je veux que cette partie soit démolie pour qu'on puisse construire ma piscine. Oui, d'accord. Ça posera pas de problème. Vous avez mon argent? Voilà, monsieur. J'ai quelque chose de mieux que de l'argent. Que peut-il y avoir de mieux que l'argent? Moi, Sir Ivan de Zandar, je deviendrai votre serviteur. Je jure de vous protéger jusqu'à la fin de ma vie. Je ne prendrai que les dimanches. Me protéger? Oubliez ça. Mademoiselle Sandra ne fait pas que prendre des notes. Donnez-moi cet argent ou écartez-vous de mon chemin. On mettra la grille de ce côté. Si le Ranger Rouge et le Ranger Noir sont devenus cupides, pourquoi tu ne les as pas capturés? Parce que ce trouble fait de Ranger Doré est arrivé et qu'il a tout gâché. J'ai peut-être une solution. J'ai transformé le pendentif de Speldigger en portail magique. Il va aspirer à l'intérieur les Rangers devenus cupides et ils ne pourront jamais s'échapper. Et leurs énergèmes ne nous échapperont pas non plus. Si tu échoues dans ta mission, toi non plus tu n'échapperas pas à ma colère. Je ne dois surtout pas me mettre son bon côté à dos. Quel bon côté? C'est ça. Les pièces sont encodées. Quand on les touche, ça active la partie du cerveau qui rend les gens cupides. C'est une chance que les pièces ne nous aient pas affectés. Cupides? Oh, c'est vraiment terrible, ça. Ouais. Hélas, je n'ai pas été capable de trouver les 2 millions de dollars. Pourquoi tout cet inventaire? Ça, ce sont les pièces dont le musée peut se séparer.
On en a besoin pour rembourser Monsieur Smith. Non, vous ne pouvez pas les vendre. Ces fossiles sont l'âme même du musée des dinosaures. Aucune importance. Parce que même après les avoir vendus, on n'aura pas toute la somme. On va devoir affronter la vérité. Le musée est perdu. Je n'en reviens pas d'avoir fait ça. Et si on rassemblait plus de pièces d'or ? Oui ! C'est vrai, on doit arrêter ce monstre de toute façon ! Pourquoi pas ? Au moins, l'or servira pour une bonne cause. Oui, ça vaut la peine d'essayer. Tyler ? Chase ? Vous allez devoir emmener les autres là où se trouve le trésor du monstre. Oh, ne vous inquiétez pas. Je ne laisserai personne toucher à vos pièces d'or. Continuez à suivre le chemin de pièces d'or. Attendez. Le chemin se sépare en deux. Peut-être qu'il y a deux trésors. Ou peut-être que ce sont deux pièges. Restez là si vous voulez. Je vais chercher le trésor. Pas si j'arrive là-bas avant. Attends. Bon, Ivan, Koda et toi, vous les suivez. Riley et moi, on prend ce chemin. Le chemin s'arrête là. Il s'arrête là, et moi je vais vous arrêter. Je vais avoir une victoire dorée. Dino chargeur activé, libère le pouvoir. Quand tu veux, Shelby. Mais bon, je suis pas pauvre vermisseux coloré. Prends ça. Préviens les autres. Les amis, Spelldigger se dirige vers la forêt. Montrez-moi ce que vous savez faire. Amorcez. Je vais leur voler leur attaque. Souffle Dino. Par ici, souffle Dino. Quoi? Je suis content que ça ait marché. Je retourne à la base. Nous voilà, les amis. Ah, on est content de vous voir. Si Power Rangers, c'est le jackpot. On va lui couper les ailes. C'est fou, les cervelles d'oiseaux. Tirez tous sur lui. Trace les ordres. Bande d'imbéciles. Il a encore capturé notre attaque. C'est exact, les Rangers. Vous allez tous subir le même sort. Il y aura de la place pour tout le monde, et aussi pour vos énergènes. On doit se mettre à l'abri ou on va être aspiré. Il va m'avoir. Chase. Direct, supercharge, triankylo, formation. Dino chargeur, activé. Activé. Direct, supercharge, triankylo, formation, activé. Vous ne gagnerez pas. C'est ce qu'on va voir. Ankylosaure, coup de masse. Ouais, dormi. Ouais, bravo, Tyler. Mon précieux pendentif portail est complètement cassé. Vous allez me le payer. Pas si je te détruis d'abord. Souffle direct, supercharge, attaque fatale. Je vais perdre ma couronne. Génial. Bien joué, Tyler. Est-ce que c'est le trésor de Spelldigger? Ma tête. À quoi je pensais? On était tellement cupides. Les pièces ont dû perdre leur pouvoir. Je suppose que maintenant on peut les utiliser pour rembourser Monsieur Smith sans danger. Alors Ivan, on va payer ta dette? Cet or qui était maléfique va finalement servir à faire le bien. Quoi? Non! Les pièces disparaissent! Vous avez perdu votre fortune et vous allez maintenant perdre la vie! Non! Rexy, à toi de jouer maintenant! C'est fini pour vous, les Rangers! Ils ont encore cassé mon précieux pendentif! J'invoque les ors! Dino chargeur activé! Plésio charge Megazord! Activation! Pachyrex formation! Assemblage Megazord! Dino chargeur activé! Dino chargeur super drive activé! Dino super drive activé! Tu n'en as plus pour longtemps, triste bouffon! Je n'ai pas besoin qu'on me montre comment faire le Punching Ball! Il est temps d'en finir avec ce monstre aux poches percées! Oui! Sabre Dino Super Drive! Activé! Dino Chargeur activé! Sabre Dino Super Drive! Souffle Galactique! Je crois que ce trésor va se faire enterrer! Monstre éliminé! Ouais! Génial! J'aurais
J'aurais dû me douter que Spelljäger échouerait et qu'il va vouloir me détruire après ce nouvel échec. Oui. Oui, je comprends. Quelle sale consigne je prépare encore? Pas du tout, maître. Oui, vous pouvez me faire confiance. Ekil est sur Terre et il est aussi à la recherche des énergèmes. Comme vous voulez. À qui est-ce que tu parles? Ferry! Je parlais juste à ma gentille grand-mère. Elle adore entendre le récit de mes aventures. Tu appelles ta grand-mère maître, peut-être? Ça m'arrive. Tu peux tromper, Ekil. Mais moi, je ne suis pas dupe. C'est l'heure. Vous remboursez ou vous sortez d'ici. Monsieur Smith, je vous en supplie, essayez de trouver dans votre cœur un peu de générosité. De la générosité? Pourquoi devrais-je être généreux? Tout le monde veut quelque chose et moi je veux mes 2 millions. Très bien. Vous les aurez. Prince Philippe? La police m'a averti que vous étiez allé dans une certaine banque hier. La police? Oh, c'est juste un léger malentendu. Je vous écoute. Le lingot d'or avec lequel le roi George vous avait payé. Vous l'avez placé à la banque de Zandar. Oui. Ce lingot n'a fait que gagner en intérêt et gagner en valeur, chaque jour. Depuis 800 ans. Ça fait un peu plus de 2 millions de dollars. Monsieur Smith, ma dette envers vous est réglée. Ouais, ouais. Je vous en prie, pourquoi faites-vous ça? Vous pourriez me laisser saisir le musée et vous seriez riche. Mais ça voudrait dire que la communauté perdrait ce superbe musée. Et dans ce cas, nous serions tous perdants. Vous êtes prêt à vous montrer aussi généreux sans rien avoir en retour? L'honnêteté, mon bon monsieur, est une grande richesse. C'est tout à fait vrai. Oubliez ça, je ne veux pas de votre argent. Oh, j'insiste, vous devez accepter. C'est hors de question. Un chevalier de Zandar paye toujours ses dettes. De toute façon, je détestais ce vieil habit d'apparat et je refuse de prendre votre argent. Prenez cet argent et soyez heureux avec. Je vous l'ai déjà dit. Non. Mademoiselle Sandra, veuillez lui rendre son argent. Arrêtez cette tigresse! Arrêtez!